cry for the devil line. There's a reason why. No matter what you do, the darker side of the night burns like a fire for the wasted light. And there's no way you can fight to show some respect and try to survive on the darker side. C'est le moment, allez, vite! Regarde, qu'est-ce qui se passe ici? Hey, mais t'es pas au courant? On doit aider Maxime Moulin! En ce moment, il va très mal! Tu comprends? Mais c'est pas nos affaires, ça! Mais qu'est-ce que tu racontes, putain? Maxime, c'est notre meilleur ami, même s'il sait pas vraiment, hein, parce qu'il sait pas qu'on est... vivant, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais il faut qu'on l'aide, ça fait des années qu'on le connaît, il était petit, hein, tout petit, hein, minuscule, tu vois, bah comme toi. Mais j'en ai rien à foutre de ce type-là, hein, il peut aller se faire enculer. Allez, moi je rentre à ma maison. Mais non, c'est pas par là. Oh my god. Un pauvre type. Mais on fait quoi, maintenant? Bah comment ça, on fait quoi? Oui, bah, j'ai envie d'aider Maxime, mais je sais même pas par où commencer, quoi. Bah j'en ai aucune idée, en fait. Ouais, l'amour, ça tombe pas comme sur un palmier, tu vois. Ouais, c'est vrai, Mais y a cette fille! Mais quelle fille? Mais si, tu sais, celle qu'il a rencontrée l'autre fois au supermarché, il était en train d'acheter des pastèques, il y en a une qui a roulé par terre, il y a une fille qui a trébuché dessus, ensuite il l'a ramassée, il s'est excusé, et puis ensuite il a échangé son numéro de téléphone, et puis ensuite il s'est barré en courant, en lâchant le caddie derrière lui. Maintenant que j'y repense, c'était complètement con, mais c'est notre seule chance. Je vois pas d'autres filles qu'il a rencontrées dernièrement. Oh putain, c'est vrai, il a une vie de merde. Ah ouais, c'est vrai, il a une putain de vie de merde. Ouais, c'est vrai. Et Roger, tu penses quoi de ça? Moi, je pense qu'ils ont raison. Il a une putain de vie de merde. Mais non, Roger, je parlais pas de ça. Je dis... Roger? En bas! Je me suis fait mal. Ouais, ça doit faire mal, cette chute, ça. Ouais, mais on parlait de quoi, là, en fait? Maxime, là, la fille, la supérette, la pastèque. Ah oui, la pastèque! Il faut partir sur ça, mais malheureusement, comme Maxime, c'est le seul à avoir donné son numéro, on peut pas remonter jusqu'à la fille. À moins que... Ah oui, merde, je crois qu'il avait dit son nom, c'était pas un truc comme... Sandra... Non, Chloé, non, ça c'est son ex. Claire, c'est ça, Claire, il faut chercher Claire. Je suis sûr qu'on peut la trouver. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Je pense que c'est pas une mauvaise idée, mais avec juste un nom, comment tu veux qu'on la retrouve? Oh, je vois ça. On pourrait s'aider de la description que Maxime nous a donnée. Il était assez précis sur ça, ce qui était un peu glauque, mais on peut retrouver grâce à ça. Aïe, je l'ai trouvé. C'est cool. Ouais, bon, laisse-moi commencer. Je pense que je peux réussir. Si tu le dis. Elle a pas compris qui j'étais? Mais non, mais avec un truc aussi flou, comment tu veux qu'elle comprenne? Oh oui, attends, je vais m'expliquer un peu mieux. T'as vu, là c'est mieux, elle arrive à savoir qui je suis. Je sens pas là par contre. Mais si, regarde. Ah bah non en fait. Laisse-moi s'il te plaît, je peux le faire.
Mais je comprends pas, ça avait marché la dernière fois sur la figurine de Lara Croft. Ah, laissez-moi faire, les gars. Je pense que je peux me débrouiller mieux que vous. Poussez-vous. Incroyable merde.